Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi, c'est le début du week-end de Pâques. Donc ce matin on va partir avec Kayla à la boutique France Loisirs. Il faut une petite chasse aux œufs pour les enfants, donc je suis jamais allée, on va voir comment ça se passe. Là il est 9h30, 9h40, ça fait un moment que je suis levée, donc je suis préparée tout ça déjà. J'ai fait mon ménage hier, donc aujourd'hui ça va être plutôt relax, à part ce matin où on va bouger. Voilà, aujourd'hui ça va être tranquille. T'as trouvé déjà. C'est rapide, hein. Je vais aller donner à la dame. Ah, déjà, t'as déjà trouvé. C'est rapide, hein. Oh là là, tiens, tu me les rends. Les filles, elles sont plus rapides que les garçons. C'est ça. Tiens, tu la prends. Tu la prends un peu plus, tiens. Hop, attention. Qu'est-ce qu'on dit? Regarde, Kayla. Tu fais une photo. Regarde, avec une palette avec. C'est qui vraiment tout fait dehors, regardez-moi. Regarde. Et là. Ah, c'est bien. C'est bien. Ça y est, c'est bon. Allez. Elle préfère colorier. Hein. Attends. Donc on est rentré tout à l'heure, on a déjà mangé entre temps. Je vous ai pas montré parce qu'il y avait rien d'extraordinaire, j'ai pas fait à manger vraiment. On a mangé des restes. Aaron il a mangé de la purée, Kayla elle a mangé du riz, moi aussi du riz et de la viande d'hier. Donc et aussi de la pizza. Et il y a un peu de pizza aussi. Pizza. Oh. Donc là les enfants ils s'amusent un petit peu. Kayla elle a sorti ses figurines de Toy Story. Et je vais vous les montrer. Ça va? Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale. C'est une vidéo Star Story. Alors, je vous présente la pilleur de Toy Story. Et je sais pas vraiment. Pas pour les soucis en cas. Avec Kayla, elle a voulu qu'on recommence, enfin qu'on continue un petit peu son livre sur les émotions. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Je vous remontre rapidement. Deux petites filles. Tu fais deux petites filles. Donc là, elle est censée faire elle et sa copine et me dire quelle émotion elle ressent si elle voit un serpent. Et du coup, Kayla m'a dit qu'elle aurait peur, forcément. Donc voilà. Je vous remonte la couverture, enfin, voilà. Du coup, c'est vraiment sympa. Il y a plein d'exercices assez ludiques, il y a des autocollants à coller. Donc voilà, on a pris un peu ce temps-là avec Kayla. Aaron est à la sieste, enfin, on vient de le mettre, donc je ne vais pas dormir tout de suite. Regarde ce qu'il faut mettre ici. Il faut mettre l'autocollant de peur. Tu te rappelles où ils sont? Tu l'appliques. Voilà. Ensuite, la maîtresse te punit car elle croit que tu as écrit sur le mur alors que c'est pas toi. Dessine-toi. Quelle émotion tu ressens si la maîtresse elle te punit et que c'est pas ta faute? Pas content. Mmh. Triste. Mmh.
triste et pas content. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, le dégoût. C'est le dégoût. T'es dégoûté. Le dégoût. Tu peux le faire? Bah, il faut que tu te dessines avec. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire des Pokémon maman. Ouais, c'est ça. Bah, c'est l'heure du goûter. On s'est dit qu'on allait tenter ce truc-là. Pour c'est vous des cookies. Ça fait une tentée que j'ai dans mon placard. Mais c'est des cookies. C'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Hein. Le mieux, c'est de faire des cookies soi-même. Mais bon, pourquoi mais pas. Mais c'est des cookies, pas c'est... comme les autres. C'est des cookies chocolat caramel. Donc, il fallait juste du beurre et un œuf. Donc, voilà, on va faire. En fait, il suffit de mélanger la préparation avec le beurre et l'œuf. Et là, il y a des pépites de chocolat, en fait, à mettre au-dessus. Tout simplement. Donc on a mis le contenu du sachet avec quelques pépites au chocolat qu'on a fait fondre en micro-ondes. Donc voilà, ça donne ça. Maintenant on va mettre le beurre et l'œuf. Bonsoir. Ouais, allez vas-y. Vas-y, vas-y. Voilà ce que ça donne en fait une fois que la pâte est mélangée avec les ingrédients. Donc là on en fait une boule en fait. Et après, on va simplement en fait la séparer en plein de petites boules qu'on va répartir. Et on parsèmera de pépites de chocolat. Bon, je vais le faire. Des pépites de chocolat. Il a un peu de mal. Regarde, il a des yeux. Ah ouais. Des yeux, mon cœur, des yeux. On a fait nos petites boules. Elles sont pas toutes uniformes, mais bon, c'est normal, Kaïla m'a aidé. Et voilà, là, Kaïla s'occupe de mettre les pépites de chocolat. Et puis, je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Et je vous montre mes petits yeux que j'avais eus. Voilà ce que ça donne une fois cuit, mais il m'a l'air plutôt pas mal. Ça donne faim quoi. Ok, il a. Et aussi, moi je veux des céréales, mais maintenant, non. Donc voilà, on va attendre qu'il refroidisse un petit peu, puis on va goûter tout ça. Alors, le moment de la dégustation. Vas-y, goûte, Kaïla. Celui-là. Vas-y. Ça va être bon. Bah, je c'est pense. Chaud en bas. Vas-y. Ok. C'est bon. C'est trop bon. Tant mieux. Bon, moi aussi je vais goûter ça. Et on remélange une assiette donc. Moi, j'ai celle-là. C'est encore chaud. Je vous disais, c'est bon. En plus, on n'a pas mis de chocolat dedans, on a mis juste dessus. On aurait pu en mettre dedans aussi, mais du coup, ça fait moins. Voilà. Re-coucou les amis, comme d'habitude je vous reprends le soir juste avant de me coucher dans ma chambre. Alors je vous ai vraiment pas beaucoup filmé la fin d'après-midi parce que j'ai vraiment profité justement de me détendre, j'ai joué avec Kaïla, après je me suis mis devant une série télé, on a mangé vraiment tranquille, on a fait une pizza, voilà, c'était bien. Mon papa est rentré, lui s'est reposé et voilà, ça a été vraiment une fin d'après-midi normal, bien que toutes mes journées soient normales, mais voilà, enfin voilà, je vous ai rien filmé. Par contre, voilà, demain je vous amène avec nous, évidemment, on va aller au zoo. Et voilà, avec toute la famille, les enfants vont s'amuser, à mon avis, ça va être plutôt sympa. Ça risque d'être fatigant parce que le zoo est très grand, donc si on fait le tour du zoo, je vais m'éclater. Mais bon, bref, il est 10h30. Alors c'est vraiment pas tard, mais je suis vraiment fatiguée, donc je vais pas faire mon feu, surtout que demain matin, il faut que je me lève tôt. Il faut que je prépare le pique-nique pour le zoo. Et il faut que je range un petit peu la maison. J'ai fait mes ménages avant-hier, mais je pense que je vais refaire un coup, parce que enfin, je pense que c'est pas propre. Je pense que c'est dans ma tête en fait, mais bon, bref. Voilà, en tout cas j'ai arrangé, c'est sûr, donc il faut vraiment que je me lève tôt demain matin, comme d'habitude. Mais... Voilà, savoir que je suis fatiguée, c'est normal, même si c'est que 10h30, peut-être 11h, je sais plus, faut que je regarde. Mais bon, à savoir que je suis levée depuis 5h30, je me suis réveillée, j'ai pas réussi à me recoucher, et puis au final, je me suis dit, bon, au final, d'habitude, je me lève vers 6h30, donc bon, c'est pas très grave. Donc je me suis mise sur YouTube, j'ai rattrapé les vidéos que j'avais en retard, du coup, j'ai plus de vidéos à regarder. Donc ça c'est pas grave, je préfère avoir une liste de vidéos vide qu'avoir 30 vidéos à regarder. Parce que j'aime pas, voilà, j'aime bien regarder toutes les vidéos des personnes que je suis. Après des fois ça arrive qu'il y en a que je saute ou que je rate à cause des notifications là, je sais pas quoi là, de YouTube, mais bon bref. Mais voilà, là j'ai pas de retard.
J'ai pris le temps de jouer avec Ayla aujourd'hui un peu plus que, voilà, que tous les autres jours de la semaine. J'ai aussi pris du temps pour moi. J'ai regardé la télé et ça faisait super longtemps que j'avais pris le temps de regarder une série. En ce moment, je regarde Riverdale. Voilà, une série. C'est un peu la série du moment. Je l'aime bien. Franchement, je suis un peu prise dans l'histoire. Après, c'est pas un énorme coup de cœur. Sans vous mentir, elle est sympa, mais c'est pas un truc de fou. Voilà, j'étais contente. J'ai eu quelques retours par rapport à ma vidéo lecture du moment. Donc, je pense que je vous en referai. Et comme j'ai dit en commentaire, en fait, ouais, je me suis dit que. Parce que je me doute que toutes les personnes ne sont pas intéressées par ce style de vidéo, mais voilà, celles qui ne seront pas intéressées la regarderont simplement pas. Et celles qui seront intéressées, ben, iront la voir. Et puis voilà. Parce que voilà, moi j'aime beaucoup parler des livres. Et voilà, j'en ai pas mal à présenter. J'en ai encore quelques-uns à vous présenter. Je vais attendre d'en avoir 5, je pense. 4 ou 5 par vidéo, comme ça c'est, voilà, c'est correct. Récemment j'en ai lu 2, je suis en train de lire mon 3e. De trucs complètement différents. Je suis en train de lire un roman. Enfin, j'ai fini un roman. J'en ai lu un sur l'alimentation des enfants qui était très intéressant, comment réduire le sucre en fait dans l'alimentation des enfants pour être plus précise. Je vous en ai parlé rapidement sur Instagram, bref. Et là j'en lis un, c'est j'arrête de procrastiner. Bien que je ne me sente pas voilà, une spécialiste de la procrastination, mais voilà, comme tout le monde, je pense que ça m'arrive souvent de reculer certaines tâches et de les repousser. Donc voilà, j'ai envie d'avoir un petit peu une meilleure un meilleur rythme en fait, une meilleure organisation en plus général. Voilà, j'ai commandé tous les cadeaux de Kayla. Je sais pas si je vous en avais parlé, c'est bientôt son anniversaire, donc je vais les emballer, mais j'attends que Kayla ait repris l'école parce que sinon c'est pas possible avec elle pas loin, c'est obligé qu'elle doit venir voir. Donc voilà, j'ai tout reçu, je suis contente. Je sais pas si je vous les montrerai quand j'emballerai. Parce qu'à mon avis, Kayla voudra vous faire une vidéo où elle va vous montrer ses cadeaux, c'est même sûr et certain. Donc je vais voir. Après, voilà, si ça vous embête pas, ben, je vous montrerai dans un vlog quand je les impacterai. Et puis au pire, elle vous refera une vidéo où elle vous le montrera, c'est pas très grave. En sachant que voilà, toutes les personnes qui me suivent ne regardent pas, peut-être pas mes vlogs. Hein, voilà. Certaines ne sont pas intéressées par les vlogs et d'autres sont plus intéressées par les vidéos face caméra. Donc bref, comme vous le savez, je vais me répéter au cas où si quelqu'un débarquerait sur ma chaîne. Mais moi, tous les mercredis, en règle générale, je vous poste un vlog de mon week-end le plus souvent. Et voilà, chaque week-end, vous aurez une vidéo face caméra. J'ai pas mal d'idées à vous filmer. J'ai pas le temps de filmer tout ce que j'ai envie de vous filmer. Mais dans les prochains jours à venir, je vais en filmer quelques-unes, donc pour le mois en cours. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai eu plusieurs idées. Donc voilà, pour moi la journée d'aujourd'hui s'arrête ici. On se retrouve demain pour une nouvelle journée.
on se retrouve, on vient de rentrer du zoo. Enfin, on vient de rentrer, il y a un petit moment. J'ai lavé Aaron, j'ai lavé Kayla, je me suis lavée. D'où cette tête et ces cheveux-là. Mais bon, ouais, c'est fait. La journée a été vraiment super, ça a été très agréable. On a passé l'avant en famille, on a pique-niqué au zoo. Je vous ai filmé quelques images, mais voilà, j'ai essayé de profiter au maximum du moment. Donc là, on vient de rentrer. Kayla va ouvrir ses œufs Kinder. Elle a eu des œufs Kinder, des œufs, des lapins, voilà, de la famille, de sa grand-mère. De sa tata, de ses tatas. Et enfin voilà, elle était super contente. Ils l'ont beaucoup gâtée comme d'habitude. Je vous montre Kayla. Donc elle a eu un œuf de fille et l'œuf de Dortunja, en fait c'est pour Aaron, mais Kayla va le voir vu qu'il est un peu petit. Mais il est là, il est avec nous. Dortunja et Marshall. Voilà. Donc... Ah. C'est quoi? C'est une petite doudou. C'est un petit doudou? Parce que... C'est bon. C'est pas une heure normalement pour manger du chocolat, mais bon. C'est Pâques. C'est bien pour Pâques. Mais c'est Pâques, hein, c'est demain. C'est Pâques. C'est bon? C'est maman. Pas tout lourd. Mange pas trop de chocolat maintenant qu'elle a, d'accord? C'est lui qui mange les pizzas. Bah. Bon. Il a méchant tué. Ah ouais. Bon, mais nous on va manger. Je vous retrouverai, je pense, demain. Parce que ce soir on va rien faire de plus. Et demain on va à la chasse aux œufs. Coucou tout le monde, on est lundi matin, donc le lundi de Pâques. Je vous souhaite de bonnes Pâques. Même si quand vous verrez ce vlog, ça ne sera pas depuis quelques jours. C'est pas grave, l'intention y est. Il est quelle heure? Il est 9h, ça fait un moment que je suis réveillée depuis 7h du matin. Aaron s'est réveillé ce matin à 7h, c'est lui qui m'a réveillée, ce qui est rare parce que je me réveille souvent avant lui, mais bon. Il s'est réveillé un peu plus tôt. Mais là ça va, il est reparti à la sieste, il était fatigué du coup. Donc là Kayla elle joue. Elle joue à Mario, je vais vous montrer après, je lui ai prêté un peu ma DS. Et autant vous dire qu'elle adore. Donc là, elle débrouille plutôt pas mal en plus. Donc, le programme de la journée, enfin surtout de la matinée, on va partir chercher les œufs au parc chez ma maman. Ensuite, on va manger chez elle et puis on va rentrer. Cet après-midi, on va s'amuser un petit peu avec Kayla. Mais on va rester tranquille parce que voilà, j'ai pas envie justement de bouger cet après-midi parce que hier, j'étais KO après le zoo, mais KO. Je voulais faire mon repassage, j'avais mal aux jambes parce qu'on avait marché toute l'après-midi. Et du coup j'avais super mal de jambes, donc j'ai pas repassé. Donc je ferai cet après-midi. Mais je devais dire, elle me saoule avec son repasseur, elle s'en fout. Alors pour celles qui se poseraient peut-être la question, évidemment je suis toujours en rééquilibrage alimentaire. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, j'ai perdu un peu moins de 2 kg en une semaine, ce qui est beaucoup pour certaines personnes. Moi je trouve pas ça énorme, mais enfin, je pense que c'est bien, hein, mais voilà. Moi c'est pas un truc de malade quoi, je suis contente mais voilà. Et en même temps voilà, j'ai pas eu faim toute la semaine. Je dirais pas que ça a été... Je peux pas dire que ça a été super dur en soi parce que voilà, j'ai pas été frustrée tout ça. Mais moi ça fait qu'une semaine donc tout est relatif. Mais c'est pas facile pour moi de changer les habitudes parce que... déjà je suis contente, j'ai arrêté de grignoter entre les repas vraiment. Et ça c'était vraiment un gros défaut que j'avais. Donc déjà ça c'est terminé. Mais par contre voilà, les habitudes alimentaires, vous comprendre un petit peu, je vais vous faire une vidéo où je vous explique un petit peu le rééquilibrage donc, que le nutritionniste m'a donné pour moi. Voilà, il y a certaines choses que moi j'ai un peu de mal. Je le fais parce qu'il faut le faire. Mais je me dis ça va être super dur de faire ça voilà, toute ma vie quoi. Donc du coup voilà, je vais essayer. De toute façon j'ai rendez-vous avec lui à la fin du mois pour faire le point. Je lui dise aussi parce que j'ai remarqué que ben, depuis que je faisais le rééquilibrage alimentaire,
tous les soirs après le boulot, j'avais des migraines. Moi, à savoir que je suis assez migraineuse en temps normal, mais ça fait très longtemps que j'en ai plus, ou que j'en ai vraiment très rarement. Et là, j'en ai tous les jours depuis que je fais ça. Donc, je pense qu'au niveau de mon apport calorique ou quoi, je sais pas, je dois être un peu en dessous, j'en sais rien. Mais ou peut-être qu'il y a un aliment que j'ai besoin au milieu de journée pour me repousser, j'en sais rien. En tout cas, il faut que je lui en parle parce que c'est vraiment pénible. Et j'ai remarqué que les jours, parce que j'ai deux repas, vous savez, où je mange ce que je veux, et quand c'est ces jours-là, ben, je mange ce que je veux. Par exemple, souvent je choisis le repas du soir parce que moi, le repas du soir c'est le plus dur pour moi. Et du coup, voilà, je choisis deux soirs par semaine où je mange un peu ce que je veux. Et du coup, voilà, hier c'était ça. Ben, souvent je les garde pour le week-end. Donc avant-hier et hier, je mangeais un peu ce que j'avais envie sans être dans l'abus, mais voilà. Mais j'ai remarqué que j'ai pas eu de migraine. Le fait de manger des féculents en fait le soir, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas. Quand je mange normalement le soir, comme si je mangerais à midi en fait, j'ai pas de migraine. Et j'ai remarqué quand je mange en fait que le nutritionniste m'a dit de manger le soir, ben le lendemain je suis pas bien quoi. Enfin le lendemain en fait l'après-midi c'est pas immédiat, donc je sais pas si c'est lié à ça ou si c'est lié à ce que je mange à midi ou au contraire, j'en sais rien. Bon, bref. Donc voilà, donc il faut que je fasse le point avec lui sur ça. J'attends de voir. J'attends de voir cette semaine encore si ça me fait pareil. Si je vois que lundi quand je rentre j'ai encore une migraine, ou mardi, enfin pas lundi parce que c'est aujourd'hui, je pense pas. Si je vois que demain encore voilà j'ai une migraine, je pense que je l'appellerai parce que je vais pas rester comme ça tout le mois en étant malade tous les soirs quoi, quand je rentre, c'est pas possible. Mais bon voilà, en dehors de ça, sinon ça se passe plutôt bien. Il y a que ça un peu que, voilà, que je me dis il y a un truc à faire quoi. Donc voilà, là on est habillé, moi je vais aller me maquiller rapidement même si ça va être un truc de fou. Kayla est prête, Aaron aussi. Donc on attend qu'il se réveille, puis on va pas tarder. La chasse aux œufs c'est à 10h30, donc voilà, on est un peu relax ce matin. Perdu. Vous voulez voir les... Je vous montre, parce que là, il y a plein de boutons. Là, il y a le champignon. Là, ici. On avance ça. Voilà, je me suis transformée. Et... T'as vu? Waouh. Regardez tout ce qu'il y a. Vous voulez faire celui-là? Il est trop bien. Je vous montre. Oh non, je suis tombée. Je vais pas aller plus vite. Eh oui, il faut prendre le temps, mon cœur. Faire doucement. C'est bien. Je fais un re. Je saute le géant quand j'appuie sur le A. Ouh! Et voilà, c'est magique. Hein? Waouh, t'es forte hein. Voilà, je m'arrête. Je vois Kayla, tu peux jouer, je te regarde. Hein. Kayla, regarde, là, là. Ah non, non. Si, là, regarde. Des chocobons. Là, là, encore, Kayla, regarde. Ah, les gars, j'ai trop mes poids. Tiens, regarde. Elle est là, Kayla. Va au jeu. Va au jeu, peut-être qu'il y en a d'autres. Écrasé au passage. Viens, Kayla.
Bah attends, garde ton chat, après on va t'en redonner mon cœur. Il va y avoir du partage. Ouais, on va tout poser là. Allez faire la photo les enfants. Allez faire la photo les enfants. Allez faire la photo. Allez la papille s'il te plaît. On se retrouve, on est rentré en fait. Après ma mère, on est parti faire 2-3 courses avec Kayla vraiment rapidement. Et du coup, je lui ai acheté un petit truc, on est passé à Noz, donc je vais vous montrer. Ok, la fois avec. Waouh, bien joué. Hop. C'était un petit jeu en fait avec un genre de lance-pierre avec des Angry Birds en matière molle. Là. Je sais pas comment on appelle ça. Oh, là, c'est collé. Du caoutchouc. C'est ici. Avec un petit poster et du coup, elle vise les cochons. Parce que si on vise les oiseaux, c'est pas bon. Il faudrait le mettre sur un mur, mais bon, en attendant, on a fait comme ça. Il faut bien. Mais vas-y, Kayla. Donc, Kayla, elle s'entraîne. J'en ai 3. On en a eu 3. J'ai pris du coup un cadeau aussi pour bébé Aaron. On lui a pris un petit livre comme ça pour le bain. Avec le petit poisson qui bouge, un petit crabe comme ça. Il y a un miroir, un petit poisson en mousse. Donc, plutôt sympa. Et pour moi, je me suis pris ce bouquin là. J'étais hyper contente parce que je voulais l'acheter. Je l'avais vu sur Amazon et du coup, je l'ai trouvé chez Noz et je l'ai payé 2€. Alors, je vous ai pas dit les prix. Ça, je l'ai payé 2,50€. Ça, 2€. Et le jeu de Kayla, 1,99€. À peu près. Bravo! C'est pas un nouveau chiffre. Mais c'est bien quand même. J'ai un petit peu. Moi, je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée. C'est mon nouveau jeu. Ouais. On a très bien mangé chez ma maman. C'était vraiment cool. Je tire sur le dernier chiffre. Comme ça, je gagnerai le dernier point. Donc là, on va préparer les affaires aussi pour Kayla pour demain pour l'école. Parce que demain, oh, c'est là. C'était presque. Bravo. Ouais, t'es presque. C'est celui-là, 700. Toi. Regarde, lui aussi. Et du coup, on va préparer les affaires de Kayla pour l'école. Ouais. Et aussi les cases d'affaires pour la piscine. Parce que demain, à l'école, elle va à la piscine normalement. Donc c'est plutôt cool. Et oui, parce que demain, j'adore la piscine. Oui. Demain, t'adores la piscine. C'est pas très français ta phrase, mon amour. Je vais tirer sur la petite boîte. Je vous ai montré un petit peu ce matin la chasse aux œufs des enfants, c'était dans le quartier de ma maman. Alors le concept était super sympa, en fait c'était voilà, tous les enfants allaient chercher des œufs dans le parc et à la fin tout le monde en fait les redonnait et il y avait une distribution du coup qui était faite à part égale. Et il fallait les partager. Voilà, il fallait les partager. Donc le concept est plutôt sympa, sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout joué le jeu. Je trouve ça un peu abusé. Il y a des mères de famille avec leurs enfants qui sont venus quoi, chercher des œufs et qui sont très vite partis avant qu'on partage quoi. Donc je trouve ça un peu pas très cool quoi. Après bon, Kayla elle a eu quelques œufs quand même. Elle en a pas eu autant que ce qu'elle avait trouvé parce qu'on avait trouvé pas mal. Mais après en soi c'est pas très grave parce que bon, elle en a eu pas mal, les chocolats et puis voilà, ça suffisait largement. C'était pas vraiment ça le problème, mais c'est surtout la manière de faire quoi. Les gens ils viennent, ils se servent, ils se cassent quoi. Donc on a fait un peu halluciner. Mais bon. Moi voilà, j'aimais tellement les chocolats. Oui, mais t'en as eu des chocolats? T'en as eu? Voilà, on a eu pas mal. Ma mère lui avait acheté aussi des Kinder. Je suis sur le dernier chiffre. Voilà, je suis assez fatiguée. Je vais voir si je vous reprends un peu plus tard ou pas. On va préparer tout ça. Je vais passer un peu de temps avec Kayla. La fin de journée va se passer. Aaron, il mange du chocolat? Donne-le là. Ce régal. Il est coquin. C'est bon. Tombé. Non. Tu régales mon bébé. C'est trop beau le chocolat. Aaron. Viens. Mais qu'est-ce que tu fais, Aaron? Il ne veut pas te montrer. Il se cache. Aaron, tu viens? Aaron, qu'est-ce que tu fais, mon bébé? Tu viens? Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens?
Suis-moi. Tu me suis? Et viens bébé, viens. Viens, j'ai un gros burger pour toi. Et tu viens ton... Viens, tu manges ton burger. Allez. Allez. Tout le monde, aujourd'hui on est lundi, donc je vous reprends rapidement pour clôturer le vlog du week-end. On n'est pas lundi, on est mardi, n'importe quoi. Ce week-end de Pâques, ça m'a dévarié. Donc on est mardi, excusez-moi. Et du coup voilà, je vous reprends juste pour clôturer le vlog rapidement parce que hier soir j'étais fatiguée, je me suis mise devant une série télé, on a mangé, je me suis endormie. Donc voilà, j'ai passé un très bon week-end, j'espère que vous aussi. Je vous souhaite une bonne semaine, même si vous, elle sera bien entamée quand vous verrez ce vlog. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.